monde magique de l'Ena. Sur ma chaîne, je parle de projets créatifs. Ça peut être tricot, crochet, amigurumi, des bijoux. Ça dépend. Tout le type de projet créatif. Moi, j'aime beaucoup faire plein de choses différentes. Alors, vous pouvez trouver quand même beaucoup de projets créatifs. De temps en temps, je parlerai un petit peu de magie aussi parce que ça fait partie de mon monde. Mais je ne vais pas parler toutes les vidéos, mais de temps en temps, ça peut arriver en montrer des livres, des tarots, pas tarot, oracle. Ou aussi, de temps en temps, des achats pour de projets futurs. J'aimerais aussi vous dire que sort tout le samedi matin vers 11h une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Normalement, c'est un podcast. Et le mercredi après-midi, une petite shot. Je montre une petite chose pendant la semaine. Comme ça, vous savez qu'il y a une short le mercredi après-midi et une vidéo le samedi vers 11h. Je vais commencer pour un projet que j'ai fini. Je ne sais pas si vous avez vu le précédent vidéo que j'ai montré que j'étais en train de faire. Je vais vous montrer d'abord mon panier. J'avais dit, je mets tout le projet ici. Pas tout, mais je mets quand même le projet que c'est fini là. Et elle est là-dedans. Voyez? Et je vais vous montrer que c'est mon col. Je finis le col que j'étais en train de faire en tricoting. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous n'avez pas vu mon vidéo, je vous laisse à la fin, vous pouvez aller regarder parce que je montrais le laine, j'expliquais plus ou moins comment j'avais fait, alors je ne vais pas me répéter. Je vous invite à voir la vidéo après que vous finissiez de regarder cela. Que c'est cette colle-là, vous voyez? Le magnifique, j'adore voir les couleurs et tout, je crois que les couleurs elles vont très bien. Bon. Le blanc, c'est pas exactement blanc, c'est une crème, mais le blanc, le crème, il va presque avec tout. Hein. C'est une couleur qui va très bien avec deux autres couleurs. Bon, après, je sais pas si le blanc c'est une couleur, mais il va bien avec ensemble. Il va très bien. Aujourd'hui, je suis un petit peu ensemble avec d'autres couleurs. Bon, on va continuer. Là, vous voyez, il est magnifique. Je l'adore. Je vais tourner pour que vous voyez, je le cousais comme ça, vous voyez. Et ça c'est devant, comme ça. Que je vais faire, je vais le mettre et je vais rester toute la vidéo avec, vous voyez. C'est joli. Moi, j'aime bien. Je pense même faire avec d'autres couleurs parce que j'ai beaucoup aimé. C'est très rapide. C'est un projet facile à faire. J'ai beaucoup aimé le faire. Et on peut aussi faire de même façon, faire aussi de bonnets, de gants et tout. Mais moi, pour l'instant, je ne fais qu'une colle. Et je pense faire d'autres couleurs parce que je trouve que c'est très bon. Très joli, et ça va rester là. Bon, je vais boire un petit peu de thé. Regardez ma tasse. Même la tasse, elle va avec tout. Aujourd'hui, je suis en blanc et rose. La tasse, j'ai acheté quelques années à Micro. C'était la collection de printemps. Maintenant, ils vendent quand même. Pendant la saison, ils vendent quand même beaucoup de matériel, en fait. De tasses, plein de choses, même des décos. Là, la tasse, elle est comme ça. Vous voyez, elle est magnifique. Vraiment magnifique. Bon. Maintenant que je parle de ça, c'est le printemps. Mais je vais vous montrer une chose que j'avais fait pour le pack. Que c'est? Ma petite lapine. Oh, même elle est rose. Aujourd'hui, c'est le jour en rose. Regardez comme elle est chouette. Oh, elle est tellement chouette. Elle est tout petite. Hein? En fait, c'est deux pompons. Là, la tête, c'est une. Le corps, c'est autre.
Après, j'avais fait ça, c'est la petite jambe, là, le pied. Ça, c'est une petite dentelle que j'avais déjà à la maison. J'avais même montré le premier vidéo, un projet que j'avais fait avec la même dentelle que j'avais. Ça, c'est une petite robe. Après, j'ai mis une petite robe à droite, à gauche. Les yeux, c'est de perles. Ça, c'est de feutrine. Les oreilles. Regardez comme elle est mignonne. Elle est toute petite. Vous voyez? Mais elle est magnifique. J'ai beaucoup, beaucoup aimé faire ça. Moi, j'adore. Je me répète. Hein. J'adore faire des poupées. Mais là, c'est pas une poupée, c'est une petite lapine. Mais elle est magnifique. Ah, je vais le montrer de nouveau. Regardez. Mais elle est très mignonne. Et en montrant de lapine, je vais vous montrer une que j'ai achetée à l'Amigo la semaine passée. Vendredi passé. C'est ça. Regardez. C'est dans la collection de Pâques. Tellement mignon. Tellement beau. Oh, la maman lapine avec son bébé. Tellement chou. J'avais montré sur mon stories. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram. Sinon, moi, je laisse toujours le lien dans la barre d'infos, mon lien de mon Instagram. Alors, si vous voulez me suivre là-bas, regardez de stories. Parce que là, normalement, quand j'achète quelque chose, même qui n'a rien à voir avec le projet créatif, je trouve que c'est tellement chou, mignon. Je montre toujours, alors je montre aussi des endroits que j'aime emmener, des plantes, fleurs, parfois de petits gâteaux, de petites choses, toutes choses que je fais pendant la journée. Si je vois que, par exemple, hier, j'étais en train de regarder Twilight et je montrais parce que j'aime montrer tout ça. Alors, je vais montrer de nouveau, j'ai acheté. Il est en, je sais pas vous dire quel matériel c'est, mais c'est bon, c'est chou. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Je n'ai pas résisté. Hein. Oh, mais c'est magnifique. Après, j'ai ma petite lapine. Lapin. J'ai une lapine aussi là. Ça, c'est en carton. J'ai acheté. Je crois que j'ai acheté même en deuxième main. Moi, j'aime bien de temps en temps y aller au magasin en deuxième main et acheter des choses. C'est pas la première fois que je fais ça souvent. Après, je vais vous montrer. Oh, j'étais tellement contente, mais tellement, tellement, tellement contente. Je vais vous montrer. Tantantantant. Regardez ça. C'est pas vous. Vous pouvez me dire, c'est pas vous. Moi, j'ai adoré, adoré faire ça. En fait, j'ai regardé une chaîne. Je crois que c'est espagnol, je pense. Mais je vais essayer de laisser le lien ici, si vous voulez aller regarder. La dame, elle a fait ça, une machine à coudre pour mettre d'épingles. Épingles. Comme ça, oui. Pour la couture. Ça, c'est pour la couture. Oui. Comme ça, pour rester à côté de la machine quand on est en train de coudre. C'est une machine à coudre, voyez. Je vais vous expliquer plus ou moins qu'est-ce que j'avais fait. Ça, c'est des ponges qu'elle attend. C'est des ponges pour laver la vaisselle. Ça, c'est une nouvelle. Je n'ai jamais utilisé. En fait, j'ai deux, un sous l'autre. Et après, tout ça, en fait, c'est de la feutrine. Ça, le bleu que vous avez là. Après, ça, c'est en revend que j'avais à la maison. Ça, c'est aussi, j'ai fait de petites fleurs, vous voyez. Je ne sais pas si vous avez vu ma première vidéo ou deuxième déjà. Je montrais que j'avais fait des projets avec cette petite bouton-là. Vous voyez ça? Ça, que c'est le mettre à revend, le ciseau-là. Après, c'est un petit peu de tissu que j'ai coupé là pour vous dire que c'est en train de coudre, hein, pour faire semblant. Et j'ai déjà montré aussi dans la vidéo des achats que j'avais fait, je montrais ce tissu-là. C'est moi qui ai fait ça, la petite bobine de fil, là, d'une bobine normale, après j'ai coupé. Ça, c'est du fil de point de croix ou de
une broderie. Là, ouais. Je mets là, comme ça. Après, on peut changer. Mais là, là. C'est une éponge qui est là-dedans, c'est pour ça. Il reste 7 boutons, des petits boutons à droite, à gauche. Ça, c'est le bouton de machine. Machine à coudre. Moi, je trouvais magnifique. J'étais vraiment fière de mon ouvrage, en fait, de mon projet. Je sais pas si on peut... ouvrage. Là, c'est comme ça. J'ai tout collé avec des colles, pistola colle. Mais vous pouvez utiliser aussi une colle spécifique pour de tissu, hein, pas de souci. Et c'est ça. Moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment fière de mon projet. J'ai fait une journée et je suis très contente. Quand je regardais la vidéo, je me dis, ah, oh, waouh, c'est magnifique. Je vais jamais arriver à faire un truc pareil. Mais à la fin, la dame, elle avait un tutoriel à expliquer exactement. Moi, comme j'ai beaucoup de feutrines à la maison, j'avais tout le matériel. Après, on peut pas besoin de faire exactement le même couleur, le même, avoir le même bouton, avoir le même revend. Non, on peut faire le matériel qu'on a à la maison. Ça, on sait tous. Et on pouvait même, par exemple, moi, je fais le plus proche d'elle, en fait, de son projet. J'ai essayé d'être pas la même couleur, mais j'ai essayé vraiment de suivre pas à pas. Mais on peut quand même, après, faire de choses, comment dire, inventer de petits trucs aussi, hein. Pas besoin de faire exactement comme la dame, elle a fait, hein. Moi, je fais plus ou moins, pas de même couleur, mais j'essaie de plus ou moins faire pareil. Mais après, on peut aussi faire de trucs à notre façon. Et ça donne une idée aussi pour faire parfois des autres projets, pour mettre aussi, pour mettre d'épingle, mettre à côté de la machine à coudre, quand on est en train de coudre. Ça, c'est, je sais pas. Moi, j'ai beaucoup aimé, je suis très contente, très gâtée. Moi, je suis vraiment fière de mon projet. Comme j'avais dit, je pensais que ça allait être très difficile, mais non. Moi, je trouvais que c'était facile. Au moment qu'on a tout le matériel, c'est facile. Oui. C'est le projet que j'ai fini, je pense que c'est tout. Après, je veux vous montrer le dernier vidéo. Aujourd'hui, je suis un petit peu là, hein? Je suis désolée, à des jours comme ça. Le dernier vidéo, j'ai montré que j'étais en train de faire mon... Non, j'avais montré que j'aimais pas une laine. Et j'avais dit que peut-être j'allais faire le pull, que j'aimais pas la laine, que j'étais en train de faire cette pull. Je ne sais pas si vous comprenez. Et je montrais une laine que j'avais fait une châle. Et j'avais dit à ce moment-là que j'allais vous montrer aujourd'hui. C'est ça que je vais faire. C'est cette châle-là que j'avais fait avant Noël. Alors, c'est pour ça que je peux pas montrer. C'est cette châle-là. Vous voyez? Moi, j'ai adoré. On ne voit pas très bien la couleur. Et moi, la couleur, elles sont vraiment magnifiques. Voyez? Et comme ça. Moi, je l'adore. Je vais pas le porter parce que j'ai déjà le col, mais elle est magnifique. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'aimais la couleur, j'aimais le faire. Bon, ça prend quand même un petit peu de temps, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Regardez. Je vais montrer de nouveau la laine. Comme ça, je sais pas si vous avez vu le précédent vidéo que j'avais montré. Mais elle est où? Ouh là là. C'est où elle est? Elle est là. Est-ce qu'elle est quelque part? Ah, elle est là. Et elle est là. Vous voyez? J'avais montré cette laine-là. Oh, j'ai acheté à Manor. Je ne sais pas si vous voyez. C'est la même que je pense faire, comme j'avais dit. Cette pull-là. Cette modèle-là. Vous voyez? Je pense faire. Aussi avec c'est drôle parce qu'ils ont cette petite popcorn aussi, le même, c'est drôle, hein, vous voyez, je sais pas si vous voulez dire, là aussi le châle,
Je n'ai pas pensé, hein. C'est pas. Mais c'est maintenant que je regarde ensemble avec vous, je me dis, c'est drôle, hein, parce que le châle, il a le pop-corn, et le pull aussi. Et comme je pense faire la laine, faire le pull avec cette laine-là, que j'avais fait le châle, ça va être drôle en fait. Mais je ne vais pas mettre ensemble. Hein. Bon. L'autre, je profite parce que je suis en train. L'autre col que j'avais montré, je n'ai pas trop avancé, j'ai avancé très très peu. Alors ça ne sert à rien, montrer beaucoup. J'ai très peu avancé, alors ça ne sert à rien. Je monte seulement. Je ne sais pas quand je vais finir. Parce que ça, c'est pas quelque chose que prend beaucoup de temps à faire, mais tellement de projets, tellement de choses. Je vais voir. Ça, c'est la dernière fois, je vous promets. Maintenant, je vais vous montrer parce que j'ai avancé un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Je pensais que j'allais vous montrer déjà fini, mais non, je n'ai pas réussi à faire. J'étais tellement distraite à faire ça. J'étais tellement que je vais sûrement voir un petit peu plus encore. Comme j'avais dit le précédent vidéo, oui, je me répète, hein, aujourd'hui je me répète. J'étais un petit peu malade et je pense que je ne suis pas encore très 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 en forme. Je ne sais pas à parler, j'ai encore un petit peu de difficulté. Que c'est mon Sophie Scarpe. Oui, oh, elle est déjà bien avancée. Hein. Je suis déjà à la diminution, j'avais déjà dit la dernière fois, mais je pense que j'ai avancé quand même pas ça. Quand même ça, tout ça, je pense. La couleur, elles sont magnifiques. Moi, j'adore. J'adore. Après, on peut y mettre avec beaucoup de couleurs différentes. Je pense qu'après, ça va bien avec tout. Hein. Même, par exemple, avec celle-là, bon, le blanc va bah, avec tout. Ça, tout le monde le sait. Mais ça allait bien aussi, là. Sans le col. Col. Mais j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve que c'est quand même pour le petit truc, parce que c'est pas un orage très grand, je pense quand même ça prend du temps. Je pense. C'est pas quelque chose qu'on fait très, très, très vite. Oh, peut-être oui, mais moi, comme je fais petit à petit, je fais un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain, peut-être c'est ça. Je ne sais pas. Et après, j'ai eu un problème, j'étais obligée de faire beaucoup. Peut-être c'est pour ça. Mais je pense, je suis presque certaine que la prochaine vidéo, vous allez le voir là. Vous allez voir. Vous allez voir. Je suis presque certaine. Parce que je veux vraiment avancer. Des projets, après, j'ai quand même quelques-uns. Non. Ça, j'ai acheté. En fait, j'ai acheté. Je vais vous montrer une laine que j'ai achetée. Oh, mais elle est douce. Hein. Elle est quoi? Elle a quoi? Elle a. La couleur, c'est 003. Elle a 100 grammes pour 250 mètres. Elle s'appelle Baby Colorful. Et elle est faite de quoi? C'est pas écrit. C'est bizarre. Ah, c'est 100% acrylique. Mais il est douce, hein? Ça n'a rien à voir avec l'autre laine que j'achète acrylique. Là, c'est vraiment. On dirait pas, en fait. J'ai acheté ça pour faire un châle. Je vais faire un châle. J'avais vu sur la chaîne de Mamie Crochet, je parle beaucoup d'elle. Et je pense faire un châle avec ça. Vous voyez la couleur? En fait, c'est le gris. C'est coral et beige et bleu, l'eau, verte, l'eau en fait. Je vais faire un châle avec ça. Ça, je sais, j'ai déjà. J'attends un petit peu pour finir un petit peu tous les autres projets, pour après pas avoir de projets en cours, sinon ça va me saouler. Et pour commencer ça. Et après,
Je pense que deux projets finis en cours. Parce qu'après, j'ai encore quelques-uns, mais ils n'ont pas avancé. Je n'ai même pas touché. Alors, je ne vais pas montrer. Ou que je vais faire, c'est montrer une. Oh, mais oui, c'est ça. Je vais l'appeler magazine. Vous pouvez l'appeler journal, revue. C'est vous à décider. Je ne discute pas avec vous. Mais moi, ici, j'appelle magazine. Pour moi, c'est le magazine. C'est cette là que j'ai acheté ici en Suisse. Mais je pense qu'en France, vous trouvez aussi. Je pense que c'est même français. Hein. Marchand de journaux, oui. Ça, c'est cette magazine qui ont pas mal comment dire, de projets créatifs. Moi, j'aime bien. Ça donne toujours des idées. Mais aucun me fait acheter cette magazine, c'était ça. Oui, j'adorais le bordé sur le son pull. Même moi, j'ai une chose. Je sais pas si tout le monde est comme ça. Quand je trouve quelque chose, par exemple, comme ça, par exemple, cette magazine, je regardais cette image, ça me commençait à donner des idées. Par exemple, pour faire un pull, pour faire dans une écharpe, pour faire dans un sac. Je commençais à voyager dans mon imagination créative. Je m'excuse, j'ai un petit peu de mal à parler aujourd'hui. Oui, c'est embêtant en fait. Ça m'a donné cette idée-là. Je dis, oh, c'est joli pour une pull, c'est vrai, oui. Mais on peut quand même faire dans un sac. Faire un sac. Ou même un sac à main. Moi, je regarde de temps en temps des vidéos de filles qui font vraiment des sacs à main avec de fils de maille. Je ne sais pas si là on allait réussir à faire ça. Je ne sais pas. Mais après, ça dépend. Macramé aussi. Parfois, elles font du macramé. Peut-être on arrive à faire ça. Moi, j'arrive à faire ça. Parce que je parle de tout le genre créatif, en fait. Je vais regarder. Voilà, pour vous montrer un petit peu mieux. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé. C'est ça. Comme nous, ici, on parle quand même pas mal de tricot, de broderie. Oh, regardez le gâteau que fait vraiment. Tellement grossi, mais que c'est tellement beau. Regardez. Des recettes. Ils ont aussi des recettes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oh, chocolat, chocolat. Qui n'aime pas le chocolat? Tout le monde aime le chocolat. Je pense, hein. Moi, je pense. Ah, il est là. Oui. Je vais vous montrer. C'est très très joli. Moi j'ai beaucoup aimé. Après elle explique plus ou moins, je pense. Oui. Et moi je trouvais que c'est une boule. Je sais pas, quand je regarde l'image, pour moi par exemple, si c'est moi, j'allais pas mettre tout ça, hein, tout ça, border tout ça hein, après mettre. Non, peut-être mettre une, deux trucs, seulement par exemple une petite fleur, une grande fleur hein, et une petite à côté. Ça je sais pas comment ça s'appelle cette petite. De mettre quelques-uns mais pas tout comme j'allais jamais faire comme ça parce que je trouve que c'est trop quand même c'est joli mais c'est trop je sais pas si vous voyez bien la photo la fille avec le pull mais j'ai beaucoup je trouvais que c'est une bonne idée que ça donnait des idées pour le futur projet par exemple j'y mets ça aussi. Pour coudre la dentelle parfois de par exemple comme de pull simple comme je porte c'est parfois c'est joli j'aime pas trop dans le poignet et dans le col mettre le dentelle dans ici cette partie-là et dans le poignet mais peut-être au un ou l'autre je trouve très joli explique ici moi j'aime je pense que tout ça pour vous montrer ces deux projets, parce que vous savez, c'est le magazine, je ne peux pas tout montrer. Après, j'étais dans le magasin deuxième main, comme j'avais dit au principe, j'aime beaucoup y aller dans le magasin, et même dans le marché qui vend de trucs de deuxième main, de brocante, moi j'aime bien. On trouve quand même pas mal de trucs là-bas. J'ai acheté aussi, ça c'est un livre. J'ai acheté, bon c'est un livre, oui. Par le magazine,
de marking tapes. En fait, on utilise beaucoup de dentelle, de revêt adhésif, de marking tapes. C'est ça. Je vais montrer une autre. Je trouvais très jolie. Ça, par exemple, j'aimais beaucoup ça. Une montre à faire cette fleur-là. Voyez, c'est très joli. Pour mettre dans une carte postale. Ou... Enfin, le projet. Parfois, par exemple, une paille, pas comme cela, mais par exemple, si vous avez un panier. Bon, aujourd'hui, c'est difficile. Je m'excuse vraiment. Et après, faire une fleur comme ça et couler, ça va être très joli. Par exemple. Mais au que j'aimais bien, et j'ai essayé de faire plus ou moins pareil, c'est ça. Ouais, on peut mettre sur une porte. On peut coller des rubans autour, même dentelle. Et profiter en dessin qu'on trouve très joli dans le magazine coupé. Parce que je sais pas si vous avez. Je vais me répéter. Je montrais le de précédent vidéo. Je montrais un magazine que ils expliquaient comment faire au marque-page parce que ça avait montré. Je sais pas si vous vous rappelez. Avait une autre image à côté. Et j'avais laissé cette là dans le magazine. J'avais pas arraché. Je sais pas si vous vous rappelez. Et quand j'ai regardé ça, je me dis ah. Je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais faire une. Avant de faire autre marque-page, parce que j'avais fait une, alors je vais faire une chose différente. Ça, on peut mettre sur, je sais pas, sur une paille. Devant la porte. Là, par exemple, c'est dans le meuble. Aujourd'hui, je suis un petit peu. J'ai du mal à dire le mot. Alors, ça ne sert à rien. Vous savez, il y a des jours que c'est non, 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 non. En même phrase qui dit à des jours du matin qu'après-midi on ne doit pas sortir la nuit. Hein. Ça sert à rien. Je sais pas si c'est comme ça, si vous connaissez cette phrase, mais à des jours c'est non, 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 c'est non, 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 non. Ça sert à rien. Nous on insiste et ça sert à rien. Tout ça pour montrer qu'est-ce que j'avais fait parce que ça m'a donné des idées, vous voyez. Et ça vous pouvez vous donner des idées à vous aussi. J'avais cette fil là, vous voyez, je collais partout. Après, je mets un petit rubans là avec une petite perle, comme ça, j'ai trouvé très joli parce que c'était des images que je trouvais tellement belles. Ils restaient dans la magazine, j'allais parce que c'est une magazine j'aime bien, mais j'allais pas regarder tout le temps. Alors, je me dis comme ça, je peux découvrir quelque part. C'est dommage, je ne peux pas profiter. Et je pense que c'est tout. Bon, après, il y a beaucoup de choses ici, mais je ne sais pas si vous allez trouver intéressant. Enfin, moi, j'aime bien. Ça m'a coûté que 2 francs. C'est quoi 2 francs? Si vous allez prendre un café, c'est plus cher. Mais bon. Ça, j'aimais aussi. Si vous voyez, parce que moi j'ai cette papier là, je sais pas si vous voyez là, et je savais pas qu'on pouvait passer en thé au café comme ça donne une couleur plus ancienne. Là, je sais pas, oui. Moi j'avais ça à la maison, mais je savais pas parce que normalement on met ça sur l'assiette parfois avec une petite tasse ou avec biscuit, c'est pour être chic. Hein. Sont des choses que les gens font. Et je n'utilisais jamais, alors ça me donne quand même des idées. Là, je pense que c'est des photos, oui. Oui, des photos anciennes. Très jolie. Même pour décorer, c'est très, très, très bon. J'ai beaucoup aimé. Bon, je pense que c'est tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je m'excuse vraiment. Aujourd'hui, j'étais blablabla. J'avais du mal à sortir le mot et, parce que je ne suis pas encore très très bien. Et je m'excuse vraiment pour ça. Mais j'espère que vous avez tout bien compris. Moi, j'essaie vraiment de montrer bien les images, expliquer
maximum tout ce que je fais ou que je pense faire pour que vous compreniez. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé, à me suivre, vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous remercie à tous nouveaux abonnés. J'ai déjà 200 et quelques. Je suis vraiment très contente. Et je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée, ça dépend. Et en prochaine vidéo, au revoir.